énigme. Alors, c'est l'histoire de sept dieux qui créent le monde. Et un des dieux, Thorak, voulut s'approprier le monde pour lui tout seul. Et il y avait déjà une prophétie en compte que Belgarion de Riva devrait le combattre grâce à l'orbe d'Aldur. Aldur, qui est un autre dieu qui créa l'orbe. Donc, Garion, c'est un garçon de ferme qui est élevé par sa tante Paul. Et un jour, il reçoit la visite d'un conteur et il s'en va dans une quête. Et ça le mène dans des territoires presque inconnus. Et il voit des rois, tout ça. Et donc, il arrive à la frontière de la Mississippi. Oui. Et c'est là que s'arrête l'aventure pour le tome 1. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il y avait beaucoup de suspense. Il n'était pas si bien écrit que ça, mais c'était très attachant, par contre. Et les personnages, ils ont tous des caractéristiques différentes. Et c'est très bien.